logique, je ne sais pas si elle est logique. Ils ont été performants sur. On savait qu'ils étaient performants sur les phases arrêtées, sur les coups de pied arrêtés. Et ils nous ont plantés sur un corner. Ouais. On a été inattentifs et mal placés. Voilà. On a senti l'équipe montpellierenne un peu méconnaissable. C'est aussi ton point de vue. Ouais, on a été moins performants que d'habitude avec le ballon. On a joué à se faire des passes, on conservait mi-terrain, mais on n'a jamais trouvé de la profondeur, on n'a jamais trouvé cette justesse de passe et ces enchaînements techniquement pour être dangereux. Voilà, on a eu une occasion nette, c'est sur la frappe de Mollet, sur un coup de pied arrêté, où il aurait pu surprendre Butel. Après, on a eu des situations de centre où on n'a pas été juste. Après, on n'a pas eu beaucoup de situations pour être dangereux ce soir. Même si eux, ils n'ont pas 10 000 occasions non plus. Mais c'était un match assez fermé. Et ils ont eu des prémices aussi d'occasion. Mais Benjamin, il a un arrêt sur la tête à faire et un coup franc qui l'arrête. Ouais, c'est tout. Comment tu l'expliques, ce visage complètement différent à une semaine? Parce qu'ils nous ont contrariés aussi dans. Ils nous ont attendu bas aussi. On a eu du mal à avoir de la justesse technique. On faisait que décrocher. On n'a pas donné de profondeur dans notre jeu. Voilà, et quand on cherchait la profondeur, on n'a pas été juste. Voilà, c'est pas une bonne prestation de notre part. Ouais. On regarde la dynamique qui était celle de Montpellier. Est-ce que pour toi, ce soir, c'est une défaite qui fait un peu mal à la tête? Non, elle fait pas mal à la tête. C'est une défaite. C'est une déception de que notre série s'arrête, tout simplement. Après, on aurait pu faire 0-0. Il n'y aurait rien eu à dire. Il marque sur un coup de pied arrêté. On aurait pu marquer aussi sur un coup de pied arrêté. Ça se joue, ce petit détail. Et ils ne nous ont pas surclassés. Et nous, on n'a pas été bons non plus. Non, mais on se doutait qu'ils auraient pu jouer comme ça. Il y a d'autres équipes qui ont joué comme ça contre nous. On en a gagné quelques-unes. Nice a joué comme ça, on a gagné. On perd contre Dijon qui jouait comme ça. Un premier match. Mais la vérité, c'est la justesse technique et les enchaînements que tu fais pour trouver les décalages, pour trouver la bonne passe, pour trouver les démarquages. Et c'est ce qu'on n'a pas bien fait ce soir. Et puis on n'a pas été performants sur coup de pied arrêté. Eux, ils ont été performants. Damien est sorti blessé, c'est quoi les premières... Il a pris un coup au départ. Et après, il a fait un petit écart, je crois. Il a glissé, il a un peu mal au psoas. Et